Dimanche, à la Chaux-de-Fonds, s'éclôt la 14e édition de la Plage des Six Pompes. C'est un festival gratuit d'art de la rue, plus précisément de spectacles de rue, qui existe depuis 14 ans. C'est un festival qui est uniquement dédié aux arts de la rue, donc une forme de spectacle qui existe depuis bientôt 35 ans et qui est développée depuis 35 ans en France, qui va regrouper cirque, danse, théâtre de rue et toute forme d'intervention diverse jusqu'à la magie, par exemple. Chaque artiste touche son cachet au chapeau. Parmi ces artistes, plusieurs troupes genevoises, dont la troupe Zanko, qui présentait samedi soir un spectacle itinérant, fruit d'un cours donné durant la semaine du festival. Un des buts de ce spectacle, c'est qu'il s'adapte vraiment au lieu dans lequel on voyage. C'est de montrer aux habitants les rêves qui émergent du quartier, qui émergent des bâtiments. De montrer aux habitants ce qui peut être derrière, les rêves possibles. La troupe, de retour à Genève, prépare maintenant son prochain défi, le même spectacle à La Rue est à vous, à la Jonction, le 1er septembre.